Dans la perspective d'un partenariat gagnant-gagnant relatif à la construction d'une unité industrielle de chocolat en Côte d'Ivoire, Guillaume Garot, ministre français délégué auprès du ministre de l'Agriculture, a été reçu ce jeudi par Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement. L'idée, c'est de faire ici, chez vous, de la deuxième transformation, c'est-à-dire de produire non seulement du cacao, mais aussi des produits, du chocolat, pour les Ivoiriens et pour l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment l'exemple même d'un partenariat gagnant-gagnant. Faciliter l'investissement des entreprises françaises en Côte d'Ivoire permettra le renforcement de la coopération ivoiro-française. Dans le secteur du cacao, a soutenu le ministre français. Cette coopération a été déjà matérialisée par la signature d'un protocole d'accord ce jeudi entre le chocolatier français Semoy et le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce protocole d'un montant initial de près de 4 milliards de francs CFA vise à booster la filière cacao.